Bonjour à tous, merci d'être là. Donc oui, je suis Nathalie Vauquier, cofondatrice de Nishta. Et chez Nishta, notre mission, c'est de donner un accès responsable aux données pour développer l'IA vocale. Alors, je vais vous expliquer un peu le contexte, notre marché, le problème auquel on s'adresse. Le contexte. Ici, on va parler des centres d'appel, par exemple. Les centres d'appel, ils collectent beaucoup d'enregistrements vocaux. Ils enregistrent nos conversations. Pour les plus gros, ça peut être 1 million d'heures de conversations enregistrées par mois. Ils s'en servent pour l'assurance qualité, vous savez tous, pour entraîner leurs agents, pour améliorer leur process. Et puis, de cette quantité de données, ils peuvent aussi extraire des données intéressantes pour améliorer leur business. La raison des appels, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances, est-ce qu'il y a des problèmes émergents, est-ce que les problèmes sont résolus, est-ce que les clients sont satisfaits. Et ça, pour le faire à l'échelle, sur des grandes quantités de données, bien sûr, ils vont utiliser l'IA. Et ils vont utiliser leur propre modèle d'IA ou des services tiers. Et c'est là qu'on va arriver au problème. La voix, c'est une donnée particulière. C'est une donnée qui est très, très riche à partir de la voix, des caractéristiques de la voix, donc du pitch, de l'intonation, de la hauteur, de la rapidité, et aussi à partir de tout ce qui est dans l'enregistrement qui n'est pas la voix, comme les sons de fond. À partir de tout ça, on peut déduire pas mal de choses. On peut déduire des choses comme l'âge ou la tranche d'âge, le genre, l'origine ethnique, l'origine socio-économique. On peut aussi déduire l'identité de la personne. La voix, c'est un facteur d'authentification de plus en plus, notamment dans les banques. Et puis des choses encore plus sensibles, j'ai envie de dire, des choses sur les conditions physiques ou mentales, certaines maladies, comme Parkinson ou Alzheimer, de la dépression. Et voilà, tout ça, vous l'aurez compris, c'est des choses très personnelles qu'on n'a pas forcément envie de partager. Et donc, on en arrive au problème. Les centres d'appel, ils ont beaucoup de données, des données qui ont énormément de valeur pour leur business, mais les données ne leur appartiennent pas et elles sont très sensibles. Donc, la solution aujourd'hui, et je pense qu'on est tous satisfaits avec ça, c'est qu'ils suppriment les données au bout d'un certain temps, 1-3 mois. Ça, c'est le RGPD et les usages qui vont guider la durée. Et voilà, donc on perd tous les mois énormément de valeur. La solution qu'on propose, nous, c'est de ne plus supprimer ces données, ou en tout cas pas totalement, mais juste supprimer les données personnelles à l'intérieur de ces enregistrements pour toujours garder cette valeur, sans bien sûr compromettre la vie privée des utilisateurs et des clients. Là, on arrive à notre produit. Donc notre produit, c'est un logiciel d'anonymisation de la voix. Mais pas seulement de la voix, on enlève la partie biométrique de la voix, ça je vais vous en parler un peu plus en détail après. Et puis on enlève aussi dans le contenu toutes les données personnelles, puisque bien sûr j'ai beaucoup parlé des caractéristiques de la voix elle-même, mais en général quand on appelle un centre d'appel, on va donner notre nom, notre prénom, notre adresse, notre numéro de compte. Donc ça aussi on le fait avec des briques de NLP classiques, un peu classique mais quand même à l'état de l'art bien sûr. Et donc ça, je pourrais en parler après si vous avez des questions. Donc on fait ça, on a du speech en entrée, du speech en sortie, et l'enregistrement en sortie est toujours naturel, de haute qualité, donc utilisable pour les usages dont j'ai parlé, entraîner de l'IA, utiliser des outils d'IA pour extraire des données. Notre technologie, là on arrive un peu dans la partie plus technique, elle est basée sur 3 ans de recherche à l'INRIA, dans le cadre du projet Comprise, c'est un projet européen, projet H2020 à l'époque. Celui qui est maintenant notre CEO, Brice Rivastava, c'était le sujet de sa thèse. Il a travaillé 3 ans à développer non seulement la technologie d'anonymisation, mais également les modèles d'attaque qui nous ont permis d'évaluer la robustesse de notre méthode, et qui nous permet de dire qu'aujourd'hui que notre solution est irréversible. Donc après anonymisation, il est impossible de retrouver le speaker original. Et elle est basée sur un principe assez simple. On sépare
de, on prend le signal original. Du signal original, on extrait deux features, deux caractéristiques. D'abord le pitch, l'intonation. Pour ça, on utilise du traitement du signal classique. Une deuxième feature, là, qui est un peu notre recette secrète, ce qu'on appelle la représentation linguistique. Donc ça va être une représentation qui va contenir non seulement le contenu, les phonèmes, les messages. Ce n'est pas du texte, c'est vraiment une représentation intermédiaire aussi proche que possible du signal audio original. Donc on garde non seulement le contenu, mais aussi les émotions et tout ce qui va donner de la valeur pour les usages après. Ces deux-là, elles sont extraites du signal original. Ce qu'on n'extrait pas, c'est la représentation du locuteur. Pour ça, on va générer un pseudo-speaker, donc une voix qui n'existe pas. Ce n'est pas la voix de quelqu'un qui existe. On le fait en combinant des voix existantes, encore une fois, pour que ça reste naturel et humain. Et on met ça dans un synthétiseur. Là encore, ce n'est pas du texte en entrée, donc c'est le synthétiseur, il est au niveau. Il a des features proches de l'audio, et du coup, ce qui nous permet en sortie d'avoir, encore une fois, un résultat naturel, humain. Ce n'est pas une voix synthétique, ce n'est pas une voix robotique. On peut l'écouter, et elle est intelligible et naturelle. Voilà, donc là, je vous ai parlé de la partie technique. Maintenant, la partie, puisqu'on est sur la protection des données, il y a la partie légale aussi. Comment on s'assure que ces voix sont anonymes? Quels sont les critères définis par la loi, par la législation, par la régulation, pour qu'on puisse arguer que, effectivement, votre voix, les voix sont protégées? Donc là, on s'appuie sur un travail d'un groupe de travail de l'EPDB qui a défini trois critères qui vont permettre d'évaluer qu'un jeu de données, là on n'est pas au niveau d'un enregistrement, mais un jeu de données est bien anonyme. Donc ces trois critères, ils sont, bon, bien sûr le travail qui a été fait, c'est sur tout type de données, on n'est pas sur la voix, hein, donc principalement les données tabulaires. Et il y a trois critères, donc le critère d'isolation, c'est-à-dire quand on a un grand jeu de données, est-ce qu'on est capable ou non d'extraire tous les enregistrements d'un utilisateur spécifique ? Tout ou partie, c'est même plus restrictif que ça. Le deuxième critère, c'est la corrélation. Donc, quand on prend deux enregistrements de ce jeu de données, est-ce qu'on est capable de dire, et avec quelle confiance, que ces deux enregistrements viennent du même utilisateur? Donc là, je parle d'enregistrement dans une base de données en général. Là, on est sur des enregistrements audio. On a adapté ce critère à notre cas d'usage. Et le dernier critère, c'est l'inférence. À partir des données disponibles dans ce jeu de données, qu'est-ce qu'on peut déduire sur un individu en particulier? Est-ce qu'on peut déduire assez d'informations pour le réidentifier de façon indirecte? Donc voilà, on a évalué, ça c'était après notre recherche, ça c'est ce qu'on a fait depuis un an. On a évalué notre méthode sur ces trois critères, on a soumis les résultats à la CNIL. On est en discussion avec eux, on attend leur retour, mais on n'a pas de doute. Voilà, ça c'est sur les critères d'anonymisation. Bien sûr, au niveau du RGPD, on répond principalement au principe de minimisation des data. Comme je vous l'ai expliqué, dans les usages prévus sur ces données pour enregistrer un modèle de transcription, par exemple, on n'a pas besoin de l'identité de l'utilisateur. Donc, par le RGPD impose de ne pas garder les données dont on n'a pas besoin, et ça concerne aussi l'identité contenue dans la voix. On est bien sûr aussi sur la confidentialité et ses autres principes. Ça marche? Putain. Ok, c'est bon. Je vais vous présenter rapidement un cas d'usage. Donc, je reste sur les centres d'appel. Je parle beaucoup des centres d'appel, ce n'est pas notre seul marché, mais il y a quand même énormément de potentiel et beaucoup de demandes de leur part. Donc, je suis dans un centre d'appel. Mon agent a une discussion avec le client. Bien sûr, l'appel est enregistré. Il va être stocké pour certains usages réglementaires ou formation des agents. En même temps, pendant l'enregistrement, il peut déjà tourner des briques de Voice Analytics, donc la transcription, du résumé automatique, peut-être une aide à l'opérateur pour dire « là, il faut que le script il doit aller dans telle direction ou autre ».
mais par contre, il n'y a pas de lien entre ces deux-là. J'aurais dû croire, cette flèche-là n'est pas là non plus. C'est-à-dire que les appels ne sont pas utilisés pour améliorer cette brique-là. Et donc, en général, si vous êtes un peu dans l'IA, vous savez que les performances d'un modèle, elles dépendent beaucoup de les données qui ont été utilisées pour entraîner. Il faut qu'elles soient représentatives du cas d'usage pour lequel elles sont utilisées. Si j'ai un modèle qui a été utilisé sur des données génériques ou pas adaptées à mon modèle, mes performances ne vont pas être optimales. Ici, avec notre logiciel VoiceArbor, on s'intercale entre le moment où la donnée est enregistrée dans le logiciel du centre d'appel et au moment où elle va être stockée. Et là, du coup, les données sont libérées. Elles peuvent être utilisées, par exemple, pour entraîner ou fine-tuner les modèles pour après améliorer la performance pendant en production. Voilà, c'était pour notre produit. Je vais vous parler un peu maintenant de comment on en est arrivé là. Donc on est quatre cofondateurs, tous les quatre issus d'INRIA. Donc, comme je vous l'ai dit, on a travaillé pendant 3 ans sur ce projet Comprise, 3 d'entre nous en tout cas, de 2018 à 2021. À la fin de ce projet, on avait une technologie dont on était fier, dont on était sûr qu'elle pouvait être utile à la société. Donc, assez naturellement, on n'avait pas envie de passer à autre chose. Et aussi, grâce à la politique d'INRIA qui nous a aussi motivés, on a décidé de créer une start-up à partir de ça. Donc, toujours au début, pré-incubé à l'INRIA Startup Studio, chez INRIA, avec Marie. Et c'est aussi pendant cette année-là qu'on Brige, notre CEO, a été lauréat IPHD pour cette idée de start-up. Et puis à un moment, il a fallu quitter INRIA. Donc on est parti juste à côté à Eura Technologies. Donc après, on a eu 6 mois d'incubation, 6 mois d'accélération. C'était au tout début du campus cyber, donc les premières années. On devait être dans la deuxième promo, je pense, première ou deuxième. Et encore une fois cette année-là, avec le soutien de BPI, puisque là, on a été lauréat iLab. Et voilà, en décembre 2022, on a créé. Maintenant, on a nos propres bureaux à Eura Technologies toujours. Et on est en phase de recrutement. Donc, si vous cherchez un boulot, on recrute. Voilà, c'est la feuille de route pour cette année. On a, sur les deux gros aspects, donc en R&D, on travaille sur le speech, on travaille sur la voix. Nos deux challenges, ça va être de passer notre technologie en temps réel. Là, pour l'instant, on traite surtout des gros volumes de données. On est optimisé pour traiter des gros volumes de données, mais en différé. Et pour débloquer de nouveaux usages, notamment aller vers du B2C, pouvoir mettre notre technologie dans vos téléphones, il faut qu'on passe en temps réel. Et puis le deuxième challenge aussi, c'est la langue. On est sur la voie du NLP. On utilise pour l'instant des modèles spécifiques à chaque langue. Donc on a l'anglais et le français. Mais on voudrait des représentations qui soient agnostiques du langage pour pouvoir généraliser plus rapidement. Et puis au niveau business, donc on a déjà déployé notre solution chez nos premiers clients, mais on est toujours en train de fine-tuner le produit. Si vous venez de la recherche, vous avez une technologie qui issue de la recherche et pas directement applicable en production dans la vie réelle. Et donc on est toujours à la recherche de nos early adopters pour un peu travailler avec nous et définir vraiment les fonctionnalités du produit. Voilà, si parmi vous, il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter et nous aider à affiner ce produit. Voilà, je vais finir avec un remerciement à nos partenaires. On commence à en avoir un petit peu. On fait partie notamment des deux programmes de cybersécurité de Google pour les startups et de Tech for Trust, qui est ici pas loin, une association suisse qui est assez précieuse. Et voilà, pour information, on vient aussi de lever des fonds, donc on est maintenant soutenu par Elaya et on est très content. Et les autres, bien sûr, AWS, OVH, qui nous soutiennent vraiment pour continuer à faire notre R&D. Et voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas, si vous voulez nous contacter, il y a ici les contacts de notre CEO et je suis là sur le salon, encore aujourd'hui et demain. Nathalie Wauquiez, merci beaucoup pour cette masterclass. Alors, si vous le souhaitez, on peut faire quelques questions, questions-réponses. On a un peu de temps.
Si Nathalie, bien sûr, vous êtes d'accord avec ça, hein, on ne le ferait pas contre votre gré. Mais si vous avez des questions, alors je le rappelle, hein, les questions, c'est souvent la plus dure et les premières sont souvent les plus dures. Hein, et après, souvent, ça arrive. Mais si vous voulez, vous pouvez poser vos questions et je viendrai avec le micro. Encore une fois, hein, pas tous en même temps pour que je puisse gérer. Ah, excellent. Bonjour. Est-ce que dans un futur du produit, vous prévoyez d'intégrer aussi du speech to text ou éventuellement même du text to speech pour finalement avoir des fonctionnalités audio à partir d'éléments texte et ou de générer du texte en parallèle? Alors, oui, merci dans pour la question. Dans un seul et même outil, du coup. Parce que, du coup, il peut y avoir plusieurs usages aussi qui nécessiteraient plusieurs outils si vous ne faites que cet aspect très innovant. Pour le speech to text, effectivement, en fait, on le propose déjà, puisque pour cacher, pour masquer les mots sensibles, on passe par du texte. Donc d'abord, on transcrit et après, on masque. Donc l'output du logiciel, ça va être à la fois l'audio transformé et la transcription masquée. On ne va pas donner la transcription originale. Donc là, on le fait déjà. Pour l'inverse, donc nous, la raison pour laquelle on ne fait pas, on pourrait faire aussi du speech to text et du text to speech. Ce serait anonyme. Par contre, le résultat ne serait pas du tout naturel et pas exploitable pour entraîner sur des données réelles. Là où on a aussi un challenge, mais c'est plutôt pour l'année prochaine, de générer du speech, c'est pour remplacer les mots masqués. Parce que là, je dis, il y avait un exemple, par exemple, si je dis je m'appelle Nathalie, je suis à Lille, on va biper Nathalie, on va masquer Nathalie et Lille. Mais ça peut être utile pour des usages de remplacer ça pour dire je suis Marie et je suis à Paris. Donc ça, c'est un peu compliqué à différents niveaux. Déjà, au niveau de la génération du speech, encore une fois, on n'a pas du texte en entrée, on a des représentations intermédiaires, donc ça demande un peu de travail. C'est aussi compliqué au niveau du langage, puisqu'il faut adapter beaucoup de choses. Il faut adapter, notamment en français, il faut adapter le genre, il faut adapter un peu le contexte. Si j'ai dit que je suis à Lille, peut-être que je ne peux pas remplacer par « je suis à New York », peut-être que ça va complètement changer le sens. Donc voilà, il y a beaucoup de challenges aussi niveau recherche, mais effectivement, c'est dans notre roadmap aussi. Merci beaucoup en tout cas pour cette masterclass.